Bonjour. Je ne Bonjour. vois pas le nom. Si vous êtes connecté, si vous êtes connecté là, vous mettez des cœurs. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais faire un petit direct rapidement. Le diable, le chétan, le satan, le menteur, le voleur, quand on l'attrape, quand il voit qu'on est en train de l'attraper, il essaye de faire des distractions, distraire les gens. Il essaie de distraire les gens. Il essaie de distraire les gens, de trouver quelque chose pour amener l'esprit des gens ailleurs. Je fais ce direct, je me suis levé, il est quelle heure? Il est 11h, je me suis levé il n'y a même pas longtemps. Je bois mon café. Mais je voulais faire ce direct rapidement parce que normalement je vais me reposer un peu avec les directs. Même les directs de prière, je n'ai pas fait hier. Et ce soir, je vais voir comment je suis. Si je suis en forme, je fais un direct ou bien je me repose. Hier nuit, je n'ai pas fait, c'était prévu de faire des directs de prière. Je n'ai pas fait, je me reposais parce que je me sentais fatigué. J'avais même annoncé, depuis la journée, j'avais annoncé qu'on n'aurait pas de direct de prière. J'avais fait une publication. Donc, je me suis couché un peu tôt. Je suis allé me mettre dans mon lit même. Il était déjà presque 20h30, 21h comme ça. Donc, je ne dormais pas. J'ai regardé un petit film tranquillement. Donc, j'étais bien distrait, tranquille. Je regardais un petit film avant de me reposer, avant de fermer les yeux. Je commence à recevoir des messages. Je commence à recevoir des messages sur WhatsApp. Maman, Marie-Thérèse est décédée. Maman Marie-Thérèse est décédée. Je sursaute un coup, je dis, aïe, c'est qu'elle a fait ça. C'est vrai que le Seigneur a dit de prendre soin d'elle, de la protéger. C'est vrai qu'on a entendu que elle n'était pas trop bien. Mais dit que elle est décédée un coup comme ça, sans que moi-même, là, je ressente quelque chose, je vois, j'étais partagé en deux choses, mais c'est quoi cette nouvelle-là? Donc, Dieu, il révèle des choses, après, il cache des choses aux gens, je ne comprends pas. Et, un coup, j'ai commencé vraiment à couler les larmes. C'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à couler les larmes parce que je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé parce que je me dis, mais attends, je suis un baoulé. Si tous ceux qui nous représentent sont en train de partir de cette manière, ça devient quoi? Donc, je n'ai même pas pris le temps, même dit, je vais consulter Dieu, je vais faire quoi? Rien. Et j'ai commencé à faire, genre, me poser des questions. Et en posant des questions, je faisais, genre, un commentaire, une publication pour savoir, oh, c'est pas vrai, des trucs comme ça. Quelque chose me disait, non, mais c'est pas réel. J'ai fait un direct hier nuit, que j'ai supprimé. Un petit direct où je demandais aux gens, est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce que c'est vrai? Mais les gens, personne n'arrivait à me dire réellement quelque chose. J'ai passé des coups de fil. J'ai essayé de toucher des gens. J'ai essayé de toucher des gens pour savoir est-ce qu'ils sont vraiment au courant de ça? Est-ce qu'ils sont au courant de cette nouvelle? Et je ne recevais pas tout de suite de réponse. Du coup, j'ai moi-même ma publication là, j'ai enlevé parce que j'étais sûr que c'était pas quelque chose de correct et de truc. J'ai appelé, j'ai fait exprès pour appeler notre frère Soulé de Paris. Je sais, j'avais son numéro, je l'ai appelé et il m'a rassuré. Il m'a dit, mon frère, c'est faux, c'est des histoires. J'ai dit, ah bon? Il y a une autre personne encore qui m'a envoyé un message. Et moi, j'ai pu voir la maman de mes yeux. J'ai pu voir la maman de mes yeux. Pas physiquement comme ça, mais j'ai pu la voir. Elle était juste en train de se reposer. Je n'ai pas vu un cadavre, je n'ai pas vu mort, je n'ai pas vu quelqu'un qui se... Et du coup, j'étais apaisé, j'ai dormi tranquille, je me suis levé ce matin et je vais parler aux gens. Vous savez ce qui est en train de se passer? C'est une manipulation que le RHDP a commencé. Regardez, regardez réellement en Côte d'Ivoire.
À chaque fois qu'il y a un problème, même quand il y avait le troisième mandat et que les gens ne voulaient pas du troisième mandat, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, allô? Allô? Allô, frère, je suis en direct, hein? C'est pourquoi? On dirait qu'il sait pas, on dirait qu'il sait pas qu'il m'a appelé. Donc, quand il y avait le troisième mandat et que les Ivoiriens ne voulaient pas le troisième mandat, si vous avez remarqué, mettez les cœurs, ils ont commencé à nous distraire. C'est-à-dire qu'ils sortent à chaque fois un buzz. Ils sortent à chaque fois une manipulation, un truc pour envoyer l'esprit des gens là-dessus. Comme en ce moment-là, ils savent qu'il y a un problème. La mort de Bédier là, ils savent que les yeux des Ivoiriens sont ouverts. La mort de, comment on appelle, de Oussana là, qui a suivi Bédier là, ils savent que les Ivoiriens sont en train de se poser des questions. Ça fait deux points. Donc, leur manipulation qu'ils ont commencé, c'est quoi? C'est d'essayer de créer des faux buzz, des fausses, c'est-à-dire qu'ils confondent buzz et révélation et vérité. La manipulation, c'est de commencer à créer des choses qui vont amener l'esprit des Ivoiriens là-dessus. C'est-à-dire qu'on dit, oh, il y a telle chose. Tout le monde va, et puis les gens vont même plus penser à ce qu'ils étaient, parce que tout le monde est concentré en ce moment sur la mort du président Henri Konan Bédié. Tout le monde est concentré actuellement sur la mort du président Henri Konan. Comment il est parti? Pourquoi il est parti? Les gens se posent des questions. Ça, c'est le premier point. Il y a aussi la guerre au Niger. Ils savent qu'il y a beaucoup de cyberactivistes, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne sont pas d'accord pour ça. Donc, qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? On va les distraire. Et ça, c'est quoi? C'est un jeu. C'est un jeu qu'ils sont en train de jouer avec votre esprit. Mettez des cœurs. C'est pourquoi je fais ce direct. Pour leur prouver que nous, on sait. C'est-à-dire qu'une révélation, ça ne se commande pas. Moi qui suis assis ici, là, je ne suis pas détenteur de révélations, par exemple. Quelque chose peut se passer, je ne vais pas être au courant. Quelque chose va se passer, même à côté de moi, dans ma famille. Si Dieu dit, il ne me montre pas, il ne me montre pas. Une révélation là. Il n'y a pas quelqu'un qui va s'asseoir aujourd'hui pour dire, je détiens le pouvoir des révélations. C'est-à-dire que tout ce qui va se passer dans ce monde là, il faut que moi je voie d'abord avant que tout le monde ne voie. Quelque chose peut même m'arriver demain. Si Dieu ne me montre pas, moi je ne sais pas. Quelque chose peut arriver dans ma famille. Si Dieu ne me montre pas, je ne vais jamais voir. C'est pourquoi un prophète même, il a toujours besoin d'un autre prophète. Je ne sais pas si vous me suivez. Quelque chose, si Dieu ne t'a pas montré quelque chose, tu ne peux pas le voir. On ne peut pas inventer une révélation. Quand c'est une révélation, c'est une révélation. Il y a une différence entre révélation, imagination, et puis des renseignements qu'on a eus. Quand il y a eu des renseignements, tu dis, on m'a dit. Quand il y a eu des renseignements là, tu dis, on m'a dit. Les gens disent. Et quand c'est une révélation, tu dis, j'ai vu. Donc, il y a une grande différence entre révélation et puis on m'a dit ou tout ça. Donc, il y a certaines personnes même qui vont croire que moi, je m'assois peut-être pour dire que je suis quelqu'un qui révèle les choses, tout doit arriver. Non. Même dans la Bible, il y a un prophète à qui Dieu a dit, Dieu l'a révélé d'aller dire à un roi qui va mourir. Il est parti pour dire au roi. Dès qu'il a dit au roi, le roi, Dieu lui a dit, va dire au roi qu'il va mourir, il n'a qu'à dire au revoir à toute sa famille. Dès qu'il a dit cela au roi, avant de sortir dans la cour du roi, le roi s'est repenti, même pas 10 minutes. Dieu lui a dit, retourne pour aller dire au roi qu'il va vivre. Dieu peut même donner une révélation aujourd'hui. Dieu peut changer la révélation demain. Quand un prophète ou quelqu'un vient s'asseoir pour vous dire, protégez telle personne, ou bien telle personne a qu'à faire attention, on veut le tuer, on veut l'empoisonner, bien ceci, cela, ce n'est pas, le but n'est pas que ça arrive. Ouvrez vos cerveaux un peu, les gens du RHDP. Le but n'est pas que ça arrive. Le but est quoi? Le but est que ce que l'homme a vu ne se réalise pas.
Esprit de sorcellerie, venez écouter ici. Le but, c'est que ce qu'on a vu là, si on a vu quelqu'un qui veut faire un accident et qu'on lui dit, ah, méfie-toi, il y a un accident devant toi. Le but, c'est que l'accident ne se réalise pas. Donc, tu ne peux pas venir dire à la personne qui a vu, oh, pourquoi est-ce que tu as vu et puis je n'ai pas fait accident. Ça, c'est être bête. Si quelqu'un a vu quelqu'un malade, il dit, j'ai vu telle personne malade, aider cette personne-là. Le but, c'est que cette personne, la maladie ne puisse pas l'atteindre. La maladie, c'est-à-dire que cette personne ne meurt pas. Quand on révèle quelque chose sur la vie d'une personne, pour dire fais tentation, le souhait est qu'on aide la personne. Le souhait est que ça n'arrive pas. Donc, quand on s'assoit et puis on dit protéger Henri Konabedi, les gens veulent l'empoisonner. Le but, c'est que les gens le protègent pour ne pas que quelqu'un puisse l'empoisonner. Quand on vient s'asseoir et puis on vous dit, dites à Ouattara qu'on veut l'empoisonner, qu'il fasse tentation. Le but, c'est que vous prévenez Ouattara, vous le protégez et qu'on ne puisse pas empoisonner Ouattara. Quand on dit que méfiez-vous, Gon Coulibaly, j'ai vu qu'il a été pris, il était malade, qu'il risque de mourir. Le but, c'est qu'on le protège, on le laisse se reposer. Le but, c'est qu'on le protège et qu'on le soigne et qu'il ne meure pas. Une révélation ne vient pas parce que la personne veut que ce qu'il a dit s'accomplisse. La révélation vient sur la vie de quelqu'un pour que la personne puisse prendre soin, faire attention. Si on te dit, oh, arrête de manger trop de sel, tu vas avoir l'hypertension. C'est pour te dire que si tu continues de manger du sel, tu vas avoir l'hypertension. Arrête de manger des choses gras. Tu vas avoir, comment on appelle leur truc là, oh, le cholestérol. Arrête de manger trop de sucre. C'est pour te dire d'arrêter telle chose parce que telle chose peut arriver. Arrête de conduire vite. Parce que j'ai vu que ta voiture là, tu risques d'avoir un accident. C'est pour t'empêcher d'avoir l'accident. Donc, les sorciers qui sont sur Facebook, qui sont toujours en train de commenter parce qu'ils veulent toujours une mauvaise nouvelle, qui sont en train de dire parce que on a prévenu un jour protéger, à chaque fois qu'on vous a dit de protéger quelqu'un, quand les gens n'ont pas protégé, vous avez vu ce qui est arrivé. On dit protéger Maman Thérèse, surveillez-la, c'est pour que ceux qui aiment Maman Thérèse protègent Maman Thérèse pour ne pas que l'intention des gens se réalise sur sa vie. Ça ne veut pas dire que Maman Thérèse aujourd'hui est devenue quelque chose qui est dans la tête de tout le monde. Oh, il faut qu'elle meure. Oh, elle va mourir. Oh, il faut... Pourquoi vous faites ça? Vous êtes des sorciers. Vous êtes des sorciers. C'est de la sorcellerie. La vie de l'homme, là, c'est Dieu qui détient ça. C'est Dieu qui donne le souffle de vie à l'homme. S'il dit tu dors aujourd'hui, tu es en bonne santé, puis demain tu ne vis plus, tu ne vis plus. C'est Dieu. J'ai déjà vu quelqu'un qui s'est levé, qui a pris petit déjeuner. Il dit, il va aller au travail, il s'est reposé quelques minutes. Il ne s'est plus jamais réveillé. Pourtant, il était en forme, en bonne santé, tout. Mais sa respiration s'est arrêtée. Votre intention contre la femme, là, comme vous avez voulu faire des choses, que ça a été révélé, et que vous voyez qu'elle est en train de se préserver, votre intention démoniaque de sorcellerie que vous voulez à tout prix l'atteindre, là, Dieu aussi est là pour la protéger. Donc ce sont les gens du RHDP qui sont en train de donner de fausses informations en ce moment. Ils fabriquent des pages PDCI, ils fabriquent des fausses pages. Et puis ils font des choses, et puis ou bien ils vont même donner des informations comme si c'est vrai. Tout ça pour vous distraire. Tout ça pour que vous enlevez votre tête, votre esprit, vos pensées sur la mort d'Henri Konabedi. Voilà la stratégie que les gens veulent faire. Actuellement, ils sont coincés. Actuellement, là, regardez, hein, quand on commence à parler un peu d'un sujet, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont commencer à balancer sur Facebook les photos d'Abidjan. Abidjan est joli, Abidjan est beau, les routes d'Abidjan sont jolies. Regardez un peu, l'Abidjan commence à briller. Regardez, mais est-ce que Abidjan, c'est toute la Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est goudron, les gens mangent Abidjan? Est-ce que c'est lumière, les gens mangent en Côte d'Ivoire du moins?
Est-ce que toute la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan? Pourquoi ils ne vont pas filmer des endroits sales, sales pour montrer aux gens? Dès qu'il y a un sujet sur les réseaux sociaux, dès qu'on voit qu'ils voient que les gens sont en train de se concentrer sur quelque chose, ils ont des cyberactivistes qui vont commencer à balancer des publicités. Abidjan, Abidjan est ceci, Abidjan est beau, ou bien ils vont envoyer un buzz. Dès qu'ils envoient le buzz, l'esprit des Ivoiriens court vers le buzz. On nous a donné buzz de savon, on nous a donné buzz de balai, balai qui est attrapé voleur. On nous a donné buzz de beaucoup de choses. À chaque fois, quand vous voyez un ministre qui va donner des centaines de millions à un jeune homme qui avait savon dans ses oreilles, au moment où des gens sont en train de défendre, de lutter pour une cause, vous croyez que c'est simple? C'est pour distraire tout le monde. Ne vous laissez pas distraire. Marie-Thérèse qu'elle a là, elle a vécu avec Oufoué. Elle est née, Dieu l'a protégée, Dieu son étoile a fait qu'elle a épousé l'un des plus grands hommes de l'Afrique. Elle est encore vivante, elle est en bonne santé. Même si elle se porte pas bien, c'est son âge. Et puis, on n'a pas dit qu'elle va mourir, on a dit de la protéger. Je ne suis jamais venu m'asseoir pour vous dire, j'ai vu que Marie-Thérèse va mourir. Enlevez des choses de sorcellerie dans vos oreilles. J'ai dit de protéger cette femme. Donc, actuellement, c'est elle qui est dans l'esprit des gens. Et puis, ceux qui me prennent pour un voyant, c'est-à-dire, c'est celui-là, il voit tout, il sait tout, qui veut me prendre pour un marabout. Ceux qui pensent que je suis là comme on me consulte, ou bien je suis là, puis boum, mes yeux sont là, et puis ils voient comme ça, on dirait, moi, je suis pas sorcier, je suis pas marabout, je suis pas charlatan. Je suis homme, et homme de Dieu. J'aime Dieu, j'aime le Seigneur. Je peux être là, si le Seigneur veut rien me montrer, il me montre pas, ça dépend de lui. Si le Seigneur dit, je vais te montrer ceci, je ne cours pas après révélation. Quand je me lève matin, je me dis pas, Seigneur, qu'est-ce que tu me révèles aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me révèles aujourd'hui? C'est pas ma vie. Quand je me lève le matin, c'est Seigneur, merci pour ma santé. Merci pour la santé de ma famille. Aide-moi à pouvoir prendre soin d'eux encore. Aide-moi à pouvoir avancer dans la vie, dans ce que je fais. Je prends ma Bible, je médite, je prie. De la manière que je vous demande de prier, que je fais direct avec vous là, moi-même je prie pour ma vie. Parce que je suis homme. Je suis pas Dieu et je suis pas au-dessus de Dieu et je suis pas un coffre de révélation. Donc quand certaines personnes où Dieu a dit quoi, faut nous dire ça et ça là c'est pour quoi et ça là c'est ceci, je réponds pas même deux fois à ces gens de commentaires parce que c'est pour amener les gens à croire que ils sont Dieu. Moi je suis pas Dieu. Je suis un être humain. Je suis un être humain. Voilà. Donc, moi-même là, quelque chose peut arriver dans ma famille aujourd'hui là, ou demain. Si Dieu m'a pas montré, je verrai pas. Je suis pas hyper. Je suis simple. Un homme simple comme toi, frère. Je mange comme toi, je bois comme toi, je pisse comme toi. Donc, ne venez même pas me prendre pour Dieu et puis Dieu va me châtier bêtement. Je ne suis pas Dieu. Et je n'ai jamais dit que Marie-Thérèse va mourir. Donc ceux qui viennent poser des questions, et il paraît que et tu as dit que non, je suis pas dans ça. Enlevez mon nom dans vos bêtises. Le jour de la mort de Betty, j'ai dit de la préserver parce que cette femme est visée. Elle détient des richesses du président Oufoué Boigny. Betty était un soutien, une force pour elle. Si cette femme n'est plus là, ils vont mettre la main sur ce qu'ils veulent. Et je sais ce que j'ai vu. Bon, maintenant, s'ils vont faire maraboutage à distance, s'ils vont vouloir l'empoisonner, s'ils vont payer quelqu'un comme ils ont payé quelqu'un pour aller empoisonner Betty, ça là, je ne suis pas rentré dans les détails comme ça. J'ai fait une publication hier où j'ai dit, prions pour Marie-Thérèse. J'ai fait une publication où j'ai dit hier, prions pour notre maman. Prions pour elle. Quand on vous dit de prier pour quelqu'un, moi-même qui suis là, je demande qu'on prie pour moi. L'apôtre Paul a dit, priez pour moi. La Bible dit, priez pour vous les uns les autres.
quand on vous demande de prier pour quelqu'un, c'est juste de soutenir la personne, de prier pour lui. Qu'est-ce qui est compliqué dans ça? Donc hier, j'étais là, couché. On vient me révéler truc. Hein? J'ai porté mon chapeau de guerrier là parce que je voulais crier un peu sur vous. Dans ces temps-ci là, je fais exprès. Je me mets en Burkinabé, je me mets en Béninois, je me mets en Togolais. Je me mets même, si vous voulez, en Oussa, juste pour vous montrer que nous sommes tous des Africains. Donc voilà, donc chapeau là aussi, ça commence à me donner chaud sur la tête. Donc je vais enlever maintenant. Donc quand on vous dit de prier pour quelqu'un, quand on vous dit de prier, ça ne veut pas dire que il y a forcément ça ou ça. Donc hier, le RHDP a décidé de faire une manipulation d'informations. Allons-y donner des telles nouvelles, tout leur esprit va partir dessus. Au moment où ils vont se rendre compte là que c'est faux, c'est bon, ils ont passé à autre chose. Parce qu'en ce moment, toute la Côte d'Ivoire est en train de se poser la question sur la mort du président Henri Konan Bédié. En ce moment, toute la Côte d'Ivoire est en train de penser à l'autopsie. En ce moment, toute la Côte d'Ivoire est en train de penser à la trahison. Comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir ce monsieur? En ce moment-là, le monde entier est en train d'attaquer Alassane Ouattara. Les Africains sont en train de l'attaquer. Les Ivoiriens, Sibati, l'attaquent pour l'histoire de la guerre au Mali. Donc, il veut distraire les gens. Il veut distraire les gens pour que notre esprit aille sur autre chose. Et puis, ils vont faire leurs bêtises. C'est toujours comme ça. Pendant le troisième mandat, ils ont fait quoi? Pendant que les gens étaient en train de dire, non, troisième, c'est pas buzz, ils ont envoyé. C'est pas buzz. Il y a un esprit de buzz en Côte d'Ivoire. Regardez, messieurs. Dieu merci, je n'ai pas de lunettes. Vous allez voir. Regardez mes yeux, ceux qui sont voyants, prophètes, ou bien qui sont spirituels. Regardez mes yeux. Mes yeux ressemblent à qui? Regardez, je me suis levé il n'y a pas longtemps. Voilà mon café. Ces yeux-là, quand Dieu veut me montrer, il me montre. Quand je dors, des fois je multiplie les rêves jusqu'à quand je me lève, mes yeux sont en feu. C'est pas tous les rêves, je viens m'asseoir ici pour dire aux gens. C'est pas tous les rêves. Je viens m'asseoir pour dire aux gens. Je suis pas annonceur de rêves. Quand moi je me lève pour venir dire quelque chose, c'est que j'ai reçu la permission de venir le dire. Vous avez compris? Donc, c'est des menteurs et des manipulateurs. Ne suivez pas leurs manipulations. Ils ont failli hier nous avoir, mais ça n'a pas marché longtemps. Ça n'a pas marché. Voilà. Parce que moi, j'étais couché, j'étais pas en prière, j'étais rien, j'étais en train de m'atteler pour dormir, j'étais dans mon lit. Et quand j'ai appris ça, ça me fait un poum, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc tout de suite, je regarde un peu sur les réseaux sociaux, je vois les gens sont en train de dire, Yako, j'ai dit, mais c'est quoi ça? Donc d'un coup, c'est comme si tu rentres dans la chose, tu as envie de pleurer avec tout le monde parce que c'est un malheur arrivé. Après, je me dis, cette affaire-là, c'est comment même? Je fais un direct pour demander aux gens, est-ce qu'ils sont au courant? Les gens ne peuvent pas bien me répondre. Je dis, ça là, c'est mieux d'arrêter. C'est mieux d'arrêter même direct, supprimer et puis poser des questions, attendre des réponses. J'ai reçu des réponses qui m'ont prouvé. Je me suis levé ce matin. Je vois des réponses. Oui, c'est vrai. Oui, elle n'est pas true. Oui, c'est ceci. Ça m'a rassuré. Je me dis, mais ces gens sont des manipulateurs. Ça ne marchera pas. Cette fois-ci, là, je vais vous annoncer quelque chose. L'esprit d'aveuglement, je vais vous montrer une chose. L'esprit d'aveuglement et d'envoûtement que vous avez lancé sur les Ivoiriens, là, ça n'aura plus d'effet. Les yeux des Ivoiriens sont ouverts. On n'est pas d'accord pour la guerre au Niger et on veut savoir la vérité sur la vie, la mort d'Henri Konan Bédié. Regardez, pendant que vous parlez là, regardez, voilà des yeux. Yeah.
Goïda, 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 Simi Goïda. Ça, ce sont les Ivoiriens qui chantent. C'est la jeunesse, les étudiants ivoiriens qui chantent. Ça, là, ça vous fait peur. Ça prouve quoi? Que les yeux des Ivoiriens s'ouvrent. Il n'y a plus de peur. Les yeux des Ivoiriens s'ouvrent. On n'a plus peur. Dites à Alassane Ouattara qu'on n'a plus peur de lui. Dites à Alassane Ouattara qu'on n'a plus peur de ses mercenaires. Dites à Alassane Ouattara que même quand il tape sur la table, ça ne nous fait plus peur. On n'a plus peur des 20 ans. On a des frères qui ont fait 20 ans, 20 ans, 20 ans, 20 ans jusqu'à ils sont là-bas. On n'a plus peur des menaces. On n'a plus peur des mercenaires. La seule chose qu'on veut, c'est notre liberté totale, notre délivrance totale. La seule chose qu'on veut, c'est la vraie paix dans notre pays, la restauration dans notre pays. La manipulation ne passera plus. L'avoutement ne passera plus. Vos démons n'ont plus de fait. Vos zombies, votre esprit d'envoûtement, de zombies que vous avez lancé sur les Ivoiriens n'agira plus. Maintenant, vous serez toujours dévoilés. Et les Ivoiriens sont jusqu'en 2027. Les yeux des Ivoiriens vont continuer à s'ouvrir. L'Ivoirien n'aura plus peur. Dites à Alassane Ouattara, l'Ivoirien n'aura plus peur. On nous a eu par la peur. On nous a traumatisés pour nous avoir par la peur. Ils ont tué nos parents pour qu'on ait peur. Ils ont versé du sang pour qu'on ait peur. Ils ont fait couler du sang. Ils nous ont fait marcher sur des cadavres pour qu'on ait peur. Ils ont mis nos frères en prison pour qu'on ait peur. Ils ont mis nos frères en exil pour qu'on ait peur. On n'aura plus peur. Voilà. C'est encore du bois ça. C'est pas au Mali. Des étudiants qui chantent à Simi Goïta. Voilà. Des étudiants qui chantent à Simi Goïta. Donc dites à Draman et son service de manipulation qu'on n'aura plus peur. La peur est finie. L'esprit d'envoûtement là. À chaque fois qu'il y a quelque chose, on nous envoûte. On nous envoie, comme on appelle, des buzz, des trucs pour nous distraire. Ils créent des trucs à la télé, des émissions de télé pour que tout le monde se concentre là-dessus. Ils créent des buzz pour que tout le monde se concentre là-dessus. Ils donnent de fausses informations pour que tout le monde se concentre là-dessus. Ils commencent à partager des photos de la Côte d'Ivoire, des images de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux pour dire la Côte d'Ivoire, tout va bien, ça brille, tout va bien, dormez tranquille. Ça ne passe plus. Nos yeux sont ouverts. Vous ne pouvez pas nous manipuler, c'est fini. L'esprit de manipulation, là, c'est fini. Dites à Alassane Ouattara, si ces marabouts lui ont dit qu'il peut nous envoûter encore, ils lui ont menti. Dites à Alassane Ouattara, si c'est son service de communication, lui a dit qu'il peut nous distraire avec des buzz et des fausses informations pour que nous sortions de la réalité, c'est fini. C'est par là qu'il nous a eu. Voilà, on n'a plus peur. Et puis, on ne se laissera pas distraire. Donc, Dieu est grand. Tout va bien. Notre maman est là. Le jour que Dieu décide de la prendre, il la prendra. Point. Mais, grâce aux révélations, elle est protégée. Voilà, votre empoisonnement, là, ça ne va pas l'atteindre. Vos histoires, là, si ceux qui veillent sur les gens, qui veillent vraiment, peinent au sérieux ce qu'on dit, la maman est là, elle est en bonne santé. Grâce à Dieu. Vos manipulations ne passent. Au contraire, à chaque fois que vous allez vouloir nous manipuler, nos yeux vont s'ouvrir. Et puis, je vais vous dire une chose. Moi, je vais vous répéter une chose ici aujourd'hui encore. Je ne suis pas votre pasteur. Je ne suis pas votre pasteur. Vos pasteurs achetés, envoûtés, ceux qui ont fait alliance à la franc-maçonnerie. Moi, je respecte Dieu. Je respecte la nature, je respecte la créature de Dieu. Je sais que Dieu a tout créé et je crois au sacerdoce. Vous voyez, je ne suis pas ceux que vous avez achetés. Qui? Abidjan, il n'y a personne qui peut parler.
Vous avez acheté tout le monde, aveuglé tout le monde, manipulé tout le monde. Vous avez aussi, vous êtes en train de mettre la répression sur les gens pour ne pas qu'ils parlent. La peur est vaincue. La peur est vaincue dans les foyers. La peur est vaincue chez les élèves, les étudiants, les enfants. De la manière que le monde entier est sorti à Daoukro pour marcher à la mémoire d'Henri Konan Bédié, c'est comme ça un jour la Côte d'Ivoire entière se lèvera pour chanter, pour chanter, pour chanter et pour chanter. Vous avez compris? Vous nous avez fait peur. Et puis ce qui est bizarre, c'est que vous nous traitez de peureux. Chers Ivoiriens, Alassane Ouattara nous manipule par la peur. Et Alassane Ouattara, ces gens viennent nous traiter de peureux. Ils nous traitent de peureux et ils se disent que jamais on va pouvoir un jour revendiquer quelque chose. Ils disent que jamais on va pouvoir se lever. Ils disent que jamais on doit pouvoir crier parce que les médecins voulaient parler, on les a enfermés. Les femmes qui veulent de l'eau, elles crient, on veut de l'eau, on va les frapper. Les étudiants disent, on a besoin de ça, on va les frapper. Les enfants disent, nos papas ont faim, on les attrape, on les met en prison. Tout le monde, personne ne peut parler dans ce pays. Maintenant, vous voulez nous manipuler, ça ne marche plus. C'est fini, nous avons été délivrés. C'est fini. Dites à Draman que ces marabouts l'ont blagué. Les libations là, que vous avez fait il n'y a pas longtemps là, vos moutons, vos bœufs, vous avez tué là, ça n'a servi à rien. Ça ne marchera pas. Henri Konan Bédié a été tué, il a été empoisonné. Et ça vient de vous. C'est vous qui avez envoyé des gens pour le tuer. Tout ça à cause de quoi? À cause des élections de 2025. Mais Dieu est dans le ciel. Ça va vous retomber dessus. Vous voulez nous distraire? Vous voulez nous distraire pour qu'on oublie que la guerre du Niger aussi ne nous arrange pas. On continuera de parler de la guerre du Niger. On n'a pas peur de vous. On n'est plus manipulé. Voilà. Vous pouvez inventer ce que vous voulez. Vos faux buzz. Vos trucs. Chers Ivoiriens. Maintenant, quand il y a des nouvelles qui sortent sur les réseaux sociaux, quand vous voyez que les gens là balancent les choses, vérifiez bien d'abord. Vérifiez avant même de partager. Parce qu'ils vont vous blaguer avec des faux buzz, des fausses informations, juste pour vous distraire. Et que la maman est décédée. Les gens vont commencer à dire, on n'a plus de face, on n'a plus ceci. Oh. C'est votre invention que vous avez fait hier là. Ça n'a pas marché, ça a duré 5 secondes. Nous, on n'est plus envoûtés. Je suis venu vous dire ça. Voilà. Je vous dis ça avant de terminer mon café. Ça veut dire que voilà, vous là, pour régler votre compte là, je n'ai pas besoin d'écrire test. Pour régler votre compte là, même quand je me réveille du sommeil comme ça, je règle votre compte. Ben, je règle votre compte. Vive le Niger, vive le Burkina, vive le Mali, vive la Guinée, vive toute l'Afrique, vive les Africains réveillés, vive les Africains qui voient clair, vive ceux qui ne veulent plus de ces personnes qui nous aveuglent, qui nous envoûtent pour s'enrichir sur notre dos. Voilà, point. Vous n'êtes pas content? Envolez-vous. Maintenant, vous qui suivez nos directs, par exemple, qui laissez des commentaires. Nous, on est d'accord que vous laissez ces commentaires parce que c'est normal. Ce qu'on dit là, ça vous touche. Quelque chose qu'on dit qui vous arrange pas. C'est obligé que vous venez insulter. Oui, toi, t'es un porc. Oui, toi, t'es un ceci. Oui, toi, t'es un faux. Oui, toi, t'es un merde. Et ça fait quoi? Est-ce que ça m'empêche de boire mon café? Regarde. Si j'ai envie de manger poisson aujourd'hui, je mange poisson. J'ai envie de manger viande, je mange viande. Ce que j'ai envie de boire, je vais boire. Ce que je veux faire, je fais. Est-ce que les insultes que vous laissez sur commentaire là, ça ferme bouche de quelqu'un? Vos menaces, toi, tiens ceci, toi tu vas mourir, toi tu es... Quelqu'un qui est déjà maudit, qui va venir dire à quelqu'un, tu es maudit. Ça n'a pas de sens. Toi-même tu es maudit, tu es malheureux, tu es envoûté. Tu as un cerveau de mouton. Tu ne comprends plus rien dans la vie. Quelqu'un attend de te chier dessus, de te couper la gorge, de violer ta femme, tu trouves ça normal. Mais c'est toi, tu es un mouton. Tu es un mouton. Donc, les moutons qui suivent une personne, qui l'ont pris pour Dieu, hein, et puis, comme on appelle, qui viennent, je ne sais pas, qui viennent raconter leur vie, ça ne nous fait plus rien. On va écouter nos frères. Ça réveille. Ça, cette chanson-là, ça libère de l'envoûtement. On va mettre ça un peu. Non, j'ai aimé. Si toute la Côte d'Ivoire pouvait se lever comme ça.
Non, mes frères, vous là, vous avez cœur. Non, c'est vous avez cœur. Bon, nous les gens comme moi là, nous là, le truc c'est que nous, eux ils cherchent à nous empoisonner, nous tuer carrément. Parce que moi par exemple là, c'est tuer. Bah, moi, tiens normal là. Si je suis en face d'eux là, ils vont dire yo, amafaka. Parce que ils veulent pas que, par exemple, même s'ils me mettaient quelque part, mon ange peut me donner des révélations et puis ouvrir la porte. Comme les anges ont ouvert la porte pour Pierre. Donc ils vont avoir peur. Amafaka. Donc, nous là, c'est amafaka. Hein? Nous, c'est amafaka. Ceux-là, les appels des farafara. Ils aiment trop farafara. Amafaka. D'ailleurs, Peter 007, peut-être que Oka Peter 007 Fara. De toute façon, les gens, là, ils aiment Fara. Ils aiment Fara. Quelqu'un qui tue son propre enfant pour être riche. Amafaka. Il tue son enfant qui va devenir milliardaire un jour, là. Il va le tuer. Amafaka. Donc, ceux-là, si c'est pas à cause d'Amafaka, là. Nous-mêmes, on est à côté d'eux, là-bas. On est là, même. Si c'est 20 ans, on fait. Si c'est 30 ans, on fait. On va sortir dedans un jour. Mais nous, comme Atia normal, là, comme ils ont tellement peur de ma bouche, ils ont peur de ça. Donc, amapara, cisello, roulo, amapara. Et puis, quand ils veulent tuer, là, ils ont un mot, là, mécréant. Et c'est un mécréant. Quand, pour laver leur conscience, quand ils veulent tuer quelqu'un pour laver leur conscience, ils disent, c'est un mécréant. Cafri. Battra Delo, Kasi. On va écouter la chanson. Il y a quelqu'un qui réclame la chanson. C'est trop bon. Non. Asimi Goita. Asimi Goita. Asimi Goita. Alfeo. Goita. Il y a des gens qui ont dit, oh, c'est là, il va prendre 20 ans. Donc, parce que quelqu'un chante, il prend 20 ans. Touchez-les. Parce qu'ils sont décidés et puis ils ont chanté à Asimi Goita. Ils savent sur quoi ils ont mis leurs pieds. Touchez un seul d'entre eux. Essayez même de les toucher un peu seulement. Voilà, ils sont en train de vous prouver. Hein? Ils sont en train de vous prouver que, en fait, ils n'ont plus peur. Quelqu'un qui a peur va s'arrêter devant toi pour dire Asimi Goita. Attends, on va bien écouter. Parce que moi, il ne sait pas chanter, donc on va bien écouter. Asimi Goita. Le nom qui fait peur. Asimi Goita. Goita. On le fait où? Donc, il y a des gens qui disent, oh, ceux-là, ça va chauffer sur eux. Ceux-là, ils vont prendre 20 ans. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, là-bas, là, tu n'as plus le droit de chanter. Ils vont prendre 20 ans. Parce qu'ils ont chanté à Asimi Goita. Touchez-les. Parce qu'ils sont venus s'arrêter devant vous pour chanter à Asimi Goita. Ils savent sur quoi ils sont posés. Nos étudiants, là. Nos futurs présidents, nos futurs ministres, nos futurs députés, nos futurs ambassadeurs. Parce qu'ils ont chanté à Asimi Goita. Chacun est libre d'aimer qui il veut. Ils aiment Asimi Goita, ils l'ont chanté. Essayez.
à connaître pas, à demander. Essayez, c'est ça même qui va être intéressant même. C'est ça qui va être... Vos mercenaires qui sont dans le pays, ils ne connaissent même pas quartier ethnie de quelqu'un, ils sont cachés dans le pays là. Essayez. Il n'y a plus de peur. La peur finit. L'esprit de peur est fini. On n'a plus peur. On ne se laissera plus envoûter ni manipuler. Vos plaisanteries là, vos fausses informations, vos buzz à la con, votre télévision c'est des buzz pourris. Vos infos c'est buzz pourri. Tout ce que vous faites c'est buzz pourri. Et puis vous n'avez rien de concret. Vous suivez les gens. Un gouvernement qui suit les infos sur les réseaux sociaux pour créer ces infos. Regardez-moi ça. C'est-à-dire que vous avez un service de communication, des petits brouteurs que vous avez pris pour mettre autour de vous, qui font votre service de communication. Ouais, et de toute façon, ils sont en train de parler de Bédier là. Si on commence à dire que il y a ça, il y a ça, tout leur esprit là va partir dessus. Et puis, ouais, donc on fabrique faux buzz. Et maman Thérèse est décédée, elle est décédée. Oh, la femme, elle est couchée là-bas tranquille. Votre souhait là, ce n'est pas encore accompli. Hein. Ce n'est pas encore accompli. Donc, si c'est pour détourner notre esprit, si c'est pour nous manipuler encore comme vous faites d'habitude, pendant le troisième mandat, pendant que les gens sont en train de crier, c'est baisse, 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 vous avez envoyé. Donc, je vais vous dire quelque chose. Nous là, tout votre esprit, je répète, votre esprit, c'est Abba Farah. Vous êtes un gouvernement de Abba Farah. Gouvernement de Abba Farah, Abba Farah. Et est-ce que tu connais à Tia Normal? Abba Farah. Et tu connais un truc, Abba Farah, toi là. On t'attrape, toi là, on va t'attraper. Toi là, on va couper ton cœur. Toi là, on va manger. Voilà d'autres. Toi là, tu es maudit. Et puis, deux fois, quand ils disent que tu es maudit là, allez-y cliquer sur leur photo. Deux fois, ceux qui disent commentaire, ils disent que tu es maudit. Allez-y regarder leur photo. Le mec, il est sale. Il a faim. Quand tu le vois, il est assis sous une petite baraque bizarre. Sa peau, on dirait peau de crocodile. Ses doigts sont bizarres. Tu le regardes, tu dis, mais comment quelqu'un qui a faim, qui est malheureux comme ça, peut s'asseoir avec un téléphone et puis voir quelqu'un qui brille. Je me suis levé, je lavais mon visage, je me suis brossé, j'ai bu mon café, je me suis même pas pouponné, pou. Regarde comment je brille. Toi, tu te lèves, tu te laves matin, midi, soir, même tu peux pas briller comme ça. Une peau chocolatée. Regarde, ça c'est marron. Quand tu vois le marron là, tu le compares à ma peau. Regarde. Il n'y a même pas beaucoup de lumière. Regarde comment mon visage brille. Regarde derrière moi. Regarde l'effet que ça fait à mon visage. Toi, ta peau est devenue la peau de lézard ou de crocodile. Ils ont faim, ils sont misérables. Ils ne savent rien dire d'autre. On va te tuer. Tu es un maudit. Toi, tu es un ceci. Il y a d'autres mecs qui disent que Dieu t'envoie à l'enfer. Mais toi, tu es déjà à l'enfer. Tu ne peux pas voir qui est à l'enfer encore. Tu as déjà dévancé les gens à l'enfer. Tu es assis dedans déjà. Quelqu'un qui est assis dans l'enfer, comment il peut envoyer quelqu'un à l'enfer? Donc, les commentaires là, ils croient que leur commentaire peut tuer quelqu'un. Ils croient que leur commentaire peut achever la vie de quelqu'un. Et puis, mes téléphones vous blaguent, Facebook vous blague. Depuis vous laissez commentaire pour maudire les gens là. Depuis vous laissez commentaire pour insulter les gens. Depuis vous mettez commentaire pour dire toi tu vas mourir. Toi tu es maudit. Toi, Dieu va te tuer. Toi, Dieu va t'achever. Toi, ceci, cela. Toi, vilain comme ça. Mais tu es en train de dire à quelqu'un qu'il est vilain alors que lui-même, il sait qu'il est beau. Moi, quand, va regarder toutes mes photos. Moi-même, je sais que je suis beau. J'ai un miroir chez moi. Et puis, toi, tu viens me dire que je suis vilain. Comment je peux te croire? C'est toi le menteur. Donc, un gouvernement de Abba Farah. Abba Farah. Abba Babo Farah. Abba Bédier Farah. Abba Atia Normal Fara, Abba Fara, Abba Betou Fara, Abba Fara, 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 Fara. Vous vous levez matin, c'est Fara, Fara seulement. Fara, Fara, Abba 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 Fara. Vous avez tué peu de moutons, vu que c'est l'homme là même là. Abba Fara, Abba Fara, on veut le poids, Abba Fara, Abba Fara. Troisième mandat, vous êtes allé gorger un petit pour jouer football. Abba Fara. C'est fini. Hein? C'est fini. Vous avez compris? Donc, votre service de communication, là, actuellement, là, il rentre sur le truc, il laisse des commentaires, ça va faire ceci, ça. C'est faux. Moi, je vous dis quelque chose.
Nga draman ovieri. Nga draman vieri. Nga draman ovieri. Il y a souvio. Je vous parle dans ma langue. Draman li est souvié. Le monde entier, ce n'est plus affaire des Ivoiriens. Le monde entier, toute l'Afrique est contre quelqu'un. Et puis tu vas me dire qu'il va vivre longtemps. Quelqu'un, les marabouts burkinabés sont chauds contre lui. Les sorciers maliens sont en œuvre. Tous les sorciers nigériens là, les Haoussa nigériens là, ceux qui sautent et puis ils attrapent ce ballon et puis ils descendent là. Ils sont en train de l'attacher. Les autres là, les Guinéens aussi, ils sont en train de faire pour eux. Quelqu'un, toute l'Afrique, tous les marabouts de l'Afrique, Burkina, Mali, Guinée, Niger, et puis tout cela, chacun a levé son truc contre lui. Et ça, c'est affaire des Ivoiriens encore. C'est les Ivoiriens, ils croyaient qu'ils pouvaient ça, non? Et puis Dieu lui a donné palabre africophone. Parce que je ne vais pas dire africain. Palabre africophone. Vous avez vu, non? C'est ça fait. Abana, Ovieli. Dites à Draman que moi, yo, Aungé. Quand le Draman que Aungé, Ovieli, yo. Il y a une fin à toute chose. Ovieli. Dieu l'a blagué, s'amuser. Dieu l'a blagué. Tu connais blagué, s'amuser. Solé na placalidomo. Et tu connais la chanson? Solé na placalidomo. Blagué, s'amuser. C'est là on dit, Kyokoroba, Kanata Yeroja. Malo mona. Amen à domoke. Kyokoroba, Kanata Yeroja. Malo mona. Amen à domoke. Dis ça, Draman, c'est fini. Dieu l'a blagué. Comme c'est les Ivoiriens, ils disaient qu'il est dominé là. Maintenant, il y a Burkinabé, il y a Mali, il y a Guinée, il y a Niger. Sans compter les autres que je ne cite pas là. Jusqu'à il y a Russie dedans. C'est fini. Abana. Moi, je vais vous laisser. Donc, j'ai fini. Déjà, dormez tranquille. Les fausses informations, n'écoutez pas. Quand vous voyez que les gens la balancent des bœufs des informations, là, supprimez ça de vos pages. Ne rentrez pas dedans. Parce qu'ils veulent vous distraire. C'est pour nous distraire. Comme actuellement, tout habitant, toute la Côte d'Ivoire est concentrée sur la mort d'Henri Konan-Bédié. Toute la Côte d'Ivoire est en train de se demander pourquoi et comment Henri Konan-Bédié est mort de cette manière. Donc, ils veulent changer votre esprit. Et comme tout le monde est en train de se demander, de parler de la guerre du Niger, voilà. Oui, je vais répondre à une question et puis je vais sortir d'ici. Quelqu'un dit, Ado est le choix de Dieu. Oui, on a vu dans la Bible des gens qui étaient le choix de Dieu et puis Dieu les a frappés après. Nebuchadnezzar, un roi, il était le choix de Dieu. Dieu choisit quelqu'un. On n'a pas dit que Dieu n'a pas choisi Alassane. On n'a jamais dit ça. Dieu l'a choisi pour lui donner une mission, pour un temps, avec une direction. Mais quand Dieu l'a choisi là, il s'est pris pour Dieu. Il n'a plus respecté ce que Dieu lui a donné. Il a dépassé le temps et il n'a pas respecté les directives. Dieu l'a jamais envoyé pour tuer bêtement les gens. Dieu l'a jamais envoyé pour mettre les gens bêtement en prison. Dieu l'a jamais envoyé pour mettre bêtement les gens en exil. Dieu l'a jamais envoyé pour ça. Vous avez compris? Donc, ce que Dieu lui a dit de faire, peut-être pour un an ou pour deux ans ou pour un mandat ou deux mandats, il a dépassé. Il se prend pour Dieu maintenant. Donc, il n'est plus dans la volonté de Dieu. Donc, quand vous dites c'est Dieu qui l'a envoyé là, oui. Si Dieu n'a pas choisi quelqu'un, il peut pas être établi. Mais la personne peut ne plus faire la volonté de Dieu. Il y a beaucoup que Dieu a choisi, qui ont désobéi à Dieu et que Dieu a frappé. Donc Dieu frappe à la Alassane Ouattara maintenant. Donc tu as compris le message? Pour ceux qui disent que tu es pasteur, tu n'es pas pasteur. Moi je ne suis pas pasteur, je suis parleur. Tu connais parleur? Je ne suis pas pasteur. Celui qui vous a dit je suis pasteur vous a menti. Je suis parleur. Tu connais parleur, non? Donc Dieu n'est plus avec lui. Allez, je vais vous laisser. Voilà, je suis dans mon moment de prière. Je vous laisse.
Bye bye. Que Dieu bénisse tous les vrais enfants de Dieu, les vrais Ivoiriens. Vous tous qui avez pleuré bêtement pour rien parce que les gens vous ont blagué. En tout cas, soyez tranquilles. Il n'y a rien. Bye bye.